Ce lundi 1er janvier 2024, la compagnie de gendarmerie de Batoury a célébré la promotion au grade supérieur d'une dizaine de ses personnels non officiers. La cérémonie de port d'épaulettes a eu lieu à l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de Batoury en présence du préfet de la Kadéï, Jada Yakuba, qui a présidé l'événement. Le préfet est arrivé à 10h30, accueilli par le sous-préfet de l'arrondissement de Batoury, Franck Issiane, et le lieutenant Goa, adjoint au commandant de la compagnie de Batoury. Après les honneurs militaires, le préfet a procédé à la remise des épaulettes aux récipiendaires qui ont été félicités pour leur mérite et leur dévouement au service de la nation. Les récipiendaires sont passés au grade de maréchal des logis à celui de maréchal des logis chef, ou d'adjudant-chef à celui d'adjudant-chef. Ils ont exprimé leur fierté et leur gratitude envers leurs supérieurs hiérarchiques qui les ont soutenus et encouragés dans leur parcours professionnel. C'est pour cela que le commandement, sans hésiter, a apprécié sa manière de servir, lui accordant ainsi beaucoup de gratitude à travers. Le préfet a salué le travail accompli par la gendarmerie nationale dans la sécurisation du territoire et la protection des populations. Il a exhorté les promus à redoubler d'efforts et à faire preuve de loyauté, de discipline et de respect des droits de l'homme. Il a également rappelé les défis auxquels la gendarmerie fait face, notamment la lutte contre la délinquance, le banditisme et la criminalité. La cérémonie s'est achevée par un défilé des forces de sécurité et un cocktail offert par le commandant de compagnie de gendarmerie de Batoury. Les autorités administratives, les chefs traditionnels, les représentants de la société civile ainsi que les familles des différents récipiendaires ont pris part à cet événement qui a témoigné de la reconnaissance de la nation envers ses gendarmes.